Bonjour à tous, bienvenue pour cette 9e séance de PPG. Hier, un bel article sur l'éco-républicain. C'est très sympa, ça fait plaisir, mais ce qui me touche le plus, c'est tous vos retours, vos photos, vos vidéos et tous les petits messages que vous m'envoyez. Donc merci à tous. Aujourd'hui, une séance avec à deux, je vais bosser avec Fanny. Et si vous pouvez avoir un petit lest, donc moi je vais utiliser ma tente, ça fait 2 kg. Pour ceux qui n'ont pas de tente à la maison, n'hésitez pas à prendre un petit sac, d'accord, et mettre une, deux bouteilles dedans. Voilà. Si vous êtes tout seul, la séance se fait très très bien aussi. Là, c'était histoire de changer un petit peu et de faire des exercices en coopération. Voilà. Donc, vous pouvez prendre un sac avec deux bouteilles dedans, ça marchera aussi bien. Voilà, allez, on est parti. Surtout si vous avez les moindres symptômes de fièvre, mal de gorge, mal à la tête, vous ne pratiquez pas et vous appelez votre médecin traitant. Voilà, faites attention à vous, bonne séance. Nous allons débuter par course sur place et après pour l'échauffement, ensuite nous ferons des squats à deux. Voilà. Allez, c'est parti. On a mis les maillots de Rambouillet Sport aujourd'hui, hein, tous les deux. Allez, c'est parti. Alors pour les squats à deux, l'idée c'est d'être un petit peu penché en arrière, de faire contrepoids. On n'a plus la même amplitude. Il faut être synchronisé. On se laisse légèrement tomber en arrière. Les cuisses ne dépassent pas l'horizontale. Les fesses ne descendent pas sous les genoux. Si vous êtes tout seul, faites les squats tout seul. 3, 2, 1, rest. 3, 2, 1, work. Allez, échauffement, commencez à respirer. Si vous êtes en appartement, ouvrez les fenêtres, les portes, faites un petit courant d'air. Salut à Pascal et à Philippe de son champ. 3, 2, 1, work. On souffle quand on remonte, on garde le dos bien droit. C'est un verre pour les poules. 3, 2, 1, work. Allez, le dos bien à plat, on souffle quand on remonte. 3, 2, 1. Allez, la dernière. Après, on passe au sol pour les abdos. 3, 2, 1. Work. Rest.
Allez, dernier squat. 3, 2, 1. Work. Si vous travaillez à la maison, pensez à garder vos chaussures. N'allez pas glisser. Allez, on prend les petits tapis, on se met au sol. Parce qu'après on se tape dans les mains, tu sais. Alors là, je vais avoir les pieds décollés. J'ai mon petit lest, je touche à droite, à gauche et je le passe à mon partenaire. On ne tient pas ses genoux en attendant. On reste en isométrie. Allez, c'est parti. Et je lui donne. On reste, on bloque. Bassin en rétroversion. Si vous êtes tout seul, vous alternez les mouvements. Voilà, maintenant face à face et on se tape dans les mains. Si vous n'avez pas de partenaire, on vient se toucher l'épaule. Donc on rentre son ventre, on serre les fesses. On a les pieds légèrement écartés. Vous devez être gainé. Alors on est en blocage, on est en isométrie, on reste assis. Si vous êtes tout seul, vous alternez vous-même pendant 30 secondes vos mouvements. Là, vous ne devez pas creuser le dos. On est gainé comme pour faire des pompes. Ça ne bouge pas. On rentre son ventre, on serre les fesses. Avec son petit lest. Ah, on s'est encouragé par le coach. 3, 2, 1, rest. S'accroche. 2, 1, rest. Alors le dernier, un debout, l'autre, le dernier, le prochain. Fanny va se mettre debout. 2, 1. Ouais, c'est bien. Allez. Alors voilà, on s'est un peu trompé sur les séries. Le prochain, je suis au sol. Je vais toucher derrière avec mon lest. Je le donne à Fanny qui vient faire une sorte de pullover. Elle va, elle, plus travailler en triceps. Et je vais attendre en l'air qu'elle me redonne
le petit lest de 2 kg. Et après, c'est elle qui vient au sol et moi j'irai debout. 3, 2, 1. Donc ça donne ça. Là, je suis là, je me tiens et je lui donne. Je garde mes talons décollés. On pose pas les pieds au sol. Là, je suis en blocage. Et pas creuser vos tours. On inverse les rôles. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, rest. Le fait de faire des pull-overs pour se tenir debout, c'est pour donner un peu de rythme et laisser le copain en blocage. 3, 2, 1, work. Pendant l'effort. Allez, on inverse. 3, 2, 1, work. Allez, on s'accroche. 2, 1, rest. Tout c'est le poids des gens qui te fait remonter. 3, 2, 1, work. Allez, accrochez-vous. Soufflez quand on remonte. 3, 2, 1. Allez, je te verre et je lui donne. On lance pas, hein. On donne la main à la main. Pour les plus forts, n'hésitez pas à mettre 3 à 4 kilos en gérant des bouteilles d'eau par exemple. Alors le prochain. Merci. Oh là là. C'est aléa du direct. 3, 2, 1, rest. Allez, le dernier. Allez, le prochain, on est face à face et on va faire du vélo. On va pédaler. On pose les semelles, semelles contre semelles. Non, pas trop loin. Donc on en appuie sur les coudes. On peut mettre les mains sous les fesses pour avoir le bassin en rétroversion. Et on va pédaler. Là. Voilà. Si vous êtes tout seul, bah vous faites le même exercice sans pédaler. Il n'y a plus la notion de coordination et d'entraide. On peut faire le même exercice en étant tout seul. Ne faites pas avoir mal au dos. Ne jamais se cambrer. 3, 2, 1, rest. Pour le prochain, des grands cercles en ayant les jambes. Je baisse un peu le son. Le prochain, voilà, je tourne et Fanny tourne dans l'autre sens. On se croise.
Voilà, jambes tendues. On tournera dans l'autre sens à la prochaine série. 3, 2, 1. Rest. Allez, on s'accroche. Donc, jamais mal au lombaire, hein, au dos. 2, 1. Allez, on pédale. Ah, Odette, pour le club de vélo. Le Tour de France pour les filles, ce serait pas mal. C'est pour ceux qui n'ont pas d'homme traîneur. On pédale dans le vide. 2, 1. Rest. Donc là, vous pouvez bloquer votre bassin pour avoir ce dos rond et pas creusé. Pardon. Donc pareil, cet exo peut se réaliser tout seul. Et plus drôle à deux. Rest. 3, 2, 1. Je me recule un peu pour avoir les jambes tendues. Plus on tend les jambes, plus l'exercice est difficile. 3, 2, 1. Voilà. Jambes fléchies, bien sûr, c'est plus facile. Ça va Valentine, les pointes de pied étaient bien tendues. Suivi par des danseuses aussi. Allez. Camille Yanto, je veux vous voir le faire, hein, cet exo. Sur la terrasse de Barcelone. Allez. Alors, oh là, les étirements. Étirements pour les abdos. Salutations au soleil, hein, c'est un petit peu inspiré du yoga. Je suis en appui sur les mains, sur les pointes de pied, je regarde devant moi, poumon plein. Donc là, j'inspire, ça doit étirer les abdos. Je viens souffler et ça étire aussi au niveau du dos, ici aux jambiers et les mollets. Et vous le faites à votre rythme là. Une fois devant, une fois derrière. Voilà, Fanny qui continue de s'étirer. N'hésitez pas donc à aller faire à votre rythme. Là, on est surtout sur les abdos. On a travaillé essentiellement les abdos aujourd'hui. Pour demain, un peu particulier, moins de cardio, pas de musique. On va faire des exercices à l'intérieur. Essayez de prendre soit un pack de lait, un pack d'eau. Si vous avez des haltères, pourquoi pas. On va faire de la musculation, plus du haut du corps, aussi des abdos, mais sans musique et à l'intérieur. Voilà, merci à tous, prenez soin de vous et respectez le confinement. Et encore un grand, grand merci à tout le corps médical, médecins, aides-soignants, infirmiers qui se démènent énormément en ces temps difficiles. À demain.